Bravo. Ça y est, Carole, tu peux même sauter en parachute dans l'Atlantique maintenant. Oui, enfin, restons modestes, ça reste une piscine. C'est vrai que là, on a des conditions optimales. Elle est quoi, là? 28, 29. Là, on est dans les Caraïbes. On est dans les Caraïbes, là. Je pense que si t'es éjecté au milieu de l'Atlantique, dans une eau à 12 degrés, et qu'il faut faire tout ça, ouais, c'est moyen. Vaut mieux t'entraîner quand même. Ça me paraît un peu indispensable. Voilà. Dans l'eau à 12 degrés, les chances de survie sont minces. En un peu plus d'une heure, on est inconscient. Au-delà de deux heures, on est mort. Ce parcours aquatique nous a ouvert l'appétit. Ça tombe bien, nous avons rendez-vous avec le patron de l'école, le général Paulet. Bonjour mon général. Venez vous réchauffer. Venez vous réchauffer. Il nous invite à déjeuner dans sa salle à manger personnelle. Pas de doute, ici c'est bien l'aristocratie militaire qui nous reçoit. À notre table, un couple, Anne-Laure et Anthony. Ils sont mariés. Ils sont aussi pilotes de chasse tous les deux. Lui sur Mirage 2000, elle sur Mirage F1. C'est un avion d'assaut aussi, et qui faisait beaucoup de missions.